Et donc. Vous s'est lancé. Parti pour la cinquième, le Grand Prix des Anglo-Arabes. 2400 mètres à parcourir avec un départ raté pour le numéro 10, Vitavi des Places, qui se retrouve en dernière position, qui va maintenant tenter de recoller au peloton plutôt. Alors qu'on retrouve en revanche en tête le numéro 8, First du Pecco, ce favori, Kazakh Vert et Jaune, qui s'installe aux commandes. Avec la Savirko Sournia qui est dans son dos, les deux favoris qui occupent les deux premières places à l'instant. Avec le numéro 3, Apple Blue qui est en troisième position et le 6, Illusion Sauvage qui est quatrième. À la corde, le numéro 2, c'est Aksum Desmoulins. Devant le numéro 9, El Caballos. À son extérieur, le numéro 11, Malika de Mold, une Kazakh blanc et vert. Côté corde, Kazakh Détri, Kazakh Gris et Grenat. Pour le numéro 5, Bayardi. Avec le 4, Anna de Bersac, qui est accompagné par le numéro 10, Vitavi des Places. Toujours First du Pecos qui mène, avec deux longueurs d'avance, désormais devant l'As Avirko Sournia, Kazakh Vert. En troisième position, le numéro 6, c'est Illusion Sauvage. Devant le numéro 9, El Caballos, qui est quatrième. Ainsi que le numéro 3, Apple Blue, Kazakh Rouge Toc Noir. Dans son sillage, le 11, Malika de Mold, avec le numéro 2, Aksum des Moulins, Kazakh Gros Bleu. À son extérieur, le 4, Anna de Bersac. Devant le numéro 5, Bayardi, et le 7, Imperatore da Claudia, en dernière position. Voilà le numéro 10, Vitavi des Places, qui tire maintenant énormément, semble-t-il. Vitavi des Places qui porte les œillères pour la première fois. First du Pecco, ce numéro 8, qui a toujours le meilleur. Alors qu'ils descendent, et qui compte une longueur d'avance devant l'As Savirko Sournia, en troisième position. Il y a le 6, Illusion Sauvage. En quatrième position, le 3, Apple Blue. Devant le numéro 9, El Caballos. À la corde, le 2, c'est Aksum des Moulins, suivi par le numéro 5, Bayardi, et à son extérieur, par le 11, Malika de Mold. À l'arrière-garde, toujours le 4, Anna de Bersac, avec Vitavi des Places, le numéro 10, qui se rapproche maintenant quelque peu à l'extérieur, alors qu'ils vont maintenant entrer dans la dernière ligne droite. First du Pecco, ce numéro 8 qui a la tête et la corde, avec Avirko Sournia qui est dans son sillage. Le 6, Illusion Sauvage, est lancé en dehors par Gérald de Mossé, avec en quatrième position le numéro 3, Apple Blue, ou encore le numéro 2, Aksum des Moulins, qui tente maintenant de réagir. Mais First du Pecco, ce numéro 8 qui repart maintenant devant le 6, Illusion Sauvage de plus en plus fort à son extérieur. Illusion Sauvage avec First du Pecco pour la victoire. First du Pecco qui tente de repartir avec Illusion Sauvage à son extérieur. Illusion Sauvage, First du Pecco qui repart devant Illusion Sauvage, photographie pour la victoire avec une préférence pour Illusion Sauvage. La troisième place revenant en retrait à l'As Avirko Sournia. Et Illusion Sauvage, le numéro 6 qui prend sa revanche, semble-t-il, on dépend du numéro 8, First du Pecos. Ces deux-là qui ont laissé dans le lointain leurs adversaires, notamment l'autre ligne, celle d'Avirko Sournia, le numéro 1 qui convient mais qui doit se contenter du second accessit. 6 et 8 dans cet ordre de préférence devant l'As et le 3. Voilà pour l'arrivée chiffrée de ce